Donc en partenariat avec la MPBB et Colgate-Palmolive, c'est le lancement de la deuxième édition du mois de l'hygiène bucco-dentaire, Souriez avec le Maroc. Donc c'est une campagne de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire sur 5 villes au Maroc, avec un objectif, un, d'informer et de sensibiliser à l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, et avec un deuxième objectif aussi, c'est de faire des dépistages gratuits auprès de la population. Donc c'est quelque chose qui va se passer sur le mois d'octobre et le mois de novembre sur 5 villes sur l'ensemble du Maroc. C'est la deuxième édition, nous sommes particulièrement contents de travailler avec la MPB, l'association marocaine pour l'hygiène bucco-dentaire, et j'espère qu'on aura un succès aussi important que l'année dernière. Nous sommes ravis de lancer la deuxième édition du mois de la santé bucco-dentaire. C'est un événement que l'association marocaine de prévention bucco-dentaire organise en partenariat avec Colgate. Et cet événement, donc c'est la deuxième édition. L'année dernière, nous avions organisé cet événement à travers une clinique dentaire mobile qui a sillonné 8 villes du Royaume, et nous avons pu toucher un peu plus de 10 000 citoyens marocains, que ce soit en termes de dépistage et en termes de sensibilisation. Dans ce village, nous avons plusieurs stations. Bien évidemment, une clinique dentaire dans laquelle des médecins dentistes bénévoles, membres de l'association marocaine de prévention bucco-dentaire, vont donc réaliser des dépistages gratuits, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Et nous avons également des différentes stations, une station d'information, d'éducation et de communication sur l'importance de la santé bucco-dentaire, les différents moyens d'hygiène buccale et également l'importance d'avoir une nutrition qui évite tous les aliments qui sont cariogènes. Ce village va s'installer au niveau de 5 villes cette année. Donc on va être sur Casablanca, ensuite sur la ville de Meknès, de Kenitra, Safi et Fribensalh.